Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, Jambo Kwa Ote, good morning everybody. Tel que nous pouvons le constater, le ministère Emmanuel est en plein travaux de construction. Et une grande équipe se mobilise jour et nuit pour bâtir la maison du Seigneur. Continuez toujours à suivre les enseignements de l'homme de Dieu, le pasteur Eli Loussa, afin d'être nourri de la parole de Dieu pour l'affermissement de votre foi. Merci et à la prochaine. Que Dieu ouvre ton cœur à sa parole et à son esprit au nom de Jésus-Christ. J'ai commencé à enseigner sur le thème « Comment trouver la solution à son problème ?» Les problèmes qui sont des difficultés, des situations critiques, des situations difficiles, des situations compliquées que tu traverses dans différents domaines, soit dans ta santé, soit dans ta vie sociale, dans ta profession, dans... Il y a plusieurs problèmes, plusieurs situations difficiles, situations compliquées. Mais comment trouver la solution? Alléluia. Alors la question que je vous pose, c'est qu'est-ce que vous voulez exactement? Vous voulez savoir qui est à la base de votre problème ou vous voulez avoir la solution à votre problème? Demande à ton voisin, tu veux savoir qui est à la base de ton problème ou tu veux carrément trouver la solution à ton problème? Tout celui qui cherche à résoudre son problème par sa propre capacité, par ses propres moyens, se détruit davantage, se crée davantage des problèmes. Parce que derrière chaque problème, il y a une puissance. Et toi, tu n'as pas la puissance. Tu as l'intelligence, tu as la force physique, tu as l'argent, je ne sais pas, tu as les connaissances. Mais tu n'as pas la puissance. Et tout ce que tu vas utiliser comme moyen, soit c'est l'argent, soit c'est les connaissances, soit c'est l'intelligence, tout ce que tu vas utiliser comme moyen pour résoudre tes problèmes, ces moyens que tu vas utiliser vont aller affronter la puissance qui est derrière ton problème. Et les puissances des ténèbres restent toujours puissantes devant tout moyen qu'un homme peut utiliser à part Jésus-Christ. Même dans le domaine du mariage, vous allez voir des gens qui se compliquent dans le mariage, tout ça. Alors pour trouver la solution, l'autre va chercher si c'est les parents ou la famille, parce qu'il y a complications dans les mariages, on doit faire siéger la femme ou l'homme, ainsi de suite. Tous ces moyens, vous les utilisez, mais vous allez voir qu'après cela, la situation va sembler marcher, mais ça va encore se dégrader. Peut-être même s'empirer jusqu'au point où il n'y aura plus de réunion de famille, il n'y aura que divorce. Pourquoi? Parce que derrière chaque problème, même dans les couples, il y a une puissance. C'est comme ça que d'autres, pour trouver la solution, c'est aller s'enivrer. Il va s'enivrer parce que ça ne va pas avec sa femme. Alléluia! Vous savez, si ça ne marche pas avec la femme, ta propre maison devient comme l'enfer. Tu n'as même pas envie d'y rentrer. Tu veux passer du temps dehors avec les amis, ainsi de suite. J'aime les hommes. Aucun moyen que tu utiliseras amènera la solution. Une solution permanente, non. Ça amènera une solution partielle. Mais après cette solution partielle, la situation va même s'empirer qu'avant. Alors ne cherchez pas la solution par vos propres moyens. Avant d'engager l'argent, avant de contacter la famille, elle est importante la famille. Alléluia, elle est très importante. Mais avant de contacter la famille, avant d'engager l'argent, avant d'utiliser n'importe quel moyen, vous devez commencer d'abord par ce que je vais vous enseigner. Avoir la solution à son problème, ça signifie c'est avoir la victoire sur les puissances qui sont derrière un problème. C'est ça, avoir la solution à son problème. Tant que tu n'as pas encore vaincu les puissances qui sont derrière un problème, tu n'as pas de solution.
ce qui va venir, c'est l'ombre de la solution et puis ça va disparaître. C'est ça la différence entre les païens et les chrétiens. Nous tous, nous sommes sur la terre, sous un même soleil. Nous rencontrons, nous vivons les mêmes climats. Nous tous, nous rencontrons même parfois les mêmes problèmes. D'ailleurs, les mêmes problèmes. Nous rencontrons et les païens et les chrétiens. Mais l'avantage qui est chez les chrétiens, ce qui distingue les chrétiens, c'est qu'eux trouvent des solutions permanentes. Les païens trouvent des solutions partielles. Mais la cause, n'oubliez jamais ça. Ne cherchez pas qui est à la base, non. La cause de tout problème, c'est le péché. On va nous lire Romains chapitre 6, verset 23. Romains 6, le verset 23, je lis. Oui. Car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Ça signifie, ce qui cause la mort, c'est le péché. Et le problème, les difficultés, c'est l'image de la mort dans différents domaines. Quel que soit le problème que quelqu'un peut connaître, ça signifie qu'il y a eu un péché. Il y a le péché, il y a un péché qui a libéré ce problème. Sur les champs ou des années après. Comme vous connaissez, il y a des projets à court terme, à moyen terme et à long terme. C'est comme ça aussi. Il y a des conséquences immédiates, il y a des conséquences à moyen terme, il y a des conséquences à long terme. C'est le péché qui amène le problème. Lisez Jérémie chapitre 2, le verset 19. À chaque fois que tu commets un péché, comprends que tu viens de provoquer un problème. Il y a des gens qui ne veulent pas arrêter. Ils ne veulent pas arrêter, mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de s'amasser des charbons ardents. Ils ne savent pas qu'ils causent un problème dans leur vie. Oui, qu'est-ce que la Bible dit? Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte. Ça signifie ta méchanceté va causer des situations amères. Ta méchanceté n'amènera dans ta vie que des situations amères, mauvaises, donc des problèmes qui enlèveront la paix, qui enlèveront la joie. Et ce problème est là pourquoi? Parce qu'il y a eu une méchanceté, il y a eu un péché. Acclamons pour Jésus. La cause de tout malheur, de tout problème, c'est le péché qui a été fait, soit à l'instant, soit il y a un temps, soit il y a des temps. C'est comme ça que Jésus, dans Jean 5, 14, quand vous commencez d'abord au verset 1, vous allez lire l'histoire qu'il y avait des malades au portique de Salomon qui attendaient l'agitation de l'eau. Et celui qui s'est jeté le premier était guéri. Jésus est parti, il a trouvé quelqu'un qui était malade pendant 38 ans. Vous connaissez cette histoire? Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Il a commencé à donner d'autres raisons. Christ a fait grâce, il a guéri la personne. Au verset 14, Jésus rencontre cette personne. Ils s'étaient séparés. Jésus s'est rencontré encore avec la même personne. Et il lui a dit quoi? Jésus le trouva dans le temple et lui dit, oui, voici, voici, tu as été guéri. On répond, ne pêche plus. Usifanye tena zambi. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Djuku shikufike tena kitu kibaya na zaidi. Amen. Pourquoi? Parce que la cause de la maladie de cet homme était le péché. Alors Jésus l'avertit. Tu as été guéri. C'est Christ lui-même qui l'a guéri. Mais la maladie pouvait encore revenir plus pire qu'avant. Si cet homme retournait dans le péché. Malgré que Jésus l'a guéri. Parce que le péché, c'est la cause de tout malheur. Donc, pour résoudre
ton problème, tu dois retourner d'abord à cela, à cette cause. Pas à quelqu'un, tu dois retourner à cette cause qui est le péché. Et tu dois arranger avant de passer à autre chose, jusqu'à trouver la solution. Parce que tant qu'il y a un témoignage contre toi, tant qu'il y a une accusation contre toi, tant qu'il y a un monument qui s'est déjà levé contre toi, le problème ne partira pas. Ça peut disparaître pour un temps, mais ça va revenir. Salomon, le fils de David, avait compris ça. Deux Chroniques, chapitre 6, le verset 24 à 31. On peut nous lire. Deux Chroniques 6, 24 à 31, je lis. Oui. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi. Pour. Donc, ce qui permet aux ennemis, humains ou spirituels, de t'attaquer et de te vaincre, c'est le péché. Je vous ai dit, derrière chaque problème, il y a une puissance. Quand ton peuple sera battu par l'ennemi pour avoir péché. Donc la cause de ce combat est cette défaite dans la bataille, le péché. Si quelqu'un dit, si je suis comme ça, c'est les sorciers. Les sorciers m'ont combattu, mais il est un enfant de Dieu. Sachez que dans la vie de cette personne, il y a un péché qui n'a pas réparé. Aucun sorcier ne peut vaincre, il peut attaquer. Attaquer, il peut attaquer. Mais ne peut vaincre un enfant de Dieu. Pas un pasteur seulement, juste un enfant de Dieu. Aucun démon, aucun sorcier ne peut vaincre un enfant de Dieu. Aucun. Si cet enfant de Dieu marche dans la sainteté. Aucun. Qu'on ne vous trompe pas. Si quelqu'un dit, non, ou les haricots intercesseurs ont vous sain, il est malade, le combat, oui, peut venir, mais pas la victoire. Il ne peut pas vaincre, parce que la victoire est de notre côté. Donc, si l'ennemi te bat, ça signifie tu as péché et tu n'as pas réparé. Oui. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi, ça signifie s'ils se répandent, c'est ça réparer. Oui. Et rendent gloire à ton nom. Oui. S'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux. Vous entendez ce qu'il dit? Il dit de l'exaucer des cieux. En faisant quoi? Pardonne le péché de ton peuple d'Israël. Écoutez très bien. Il n'a pas dit exauce-les des cieux en lui donnant la victoire sur ses ennemis. Non. Il a commencé. Exauce-les des cieux. Qui a attaqué? L'ennemi. Et quand Dieu va exaucer, il va exaucer en commençant par pardonner. Pas en attaquant l'ennemi. Dieu ne va pas attaquer l'ennemi. Il va commencer d'abord par pardonner. C'est ça la première démarche, la repentance. Chercher à arracher le pardon de Dieu. Ceux qui ne se repentent pas, c'est ceux dont la Bible, ceux dont Dieu appelle les orgueilleux, qui disent, ah, est-ce que ça aussi c'est un péché? Est-ce qu'il faut seulement que j'aille prier? J'ai déjà demandé pardon, non? Est-ce qu'il faut que j'aille aussi demander à mon frère pardon? Je ne sais pas si vous suivez très bien. Alléluia. Tu ne peux pas créer d'autre chose de Dieu à part ce qui est écrit dans la Bible. Si l'ennemi attaque ton peuple pour avoir péché contre toi, et si ton peuple revient à toi et t'adresse des prières et des supplications, pardonne d'abord leur péché. Oui? Et ramène-les dans le pays que tu as donné à eux et à leur père.
Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie, s'il y a la crise à cause de leur péché contre toi, qu'est-ce qui a causé cette crise? Le péché est la cause de tout problème que quelqu'un peut avoir. Es-tu dans une crise? Ça peut être une crise alimentaire, une crise financière. Il y a le manque, la disette. Tu peux te regarder toi-même. Peut-être tu peux voir, je n'ai pas péché. Mais dans le passé, est-ce que tu as regardé dans le passé et tu as tout réparé? Oui. S'il prie dans ce lieu, dans ce lieu, dans ta maison, et rendent gloire à ton nom, oui, et s'ils se détournent de leur péché, oui, parce que tu vous les... Vous savez pourquoi cette expression « rendre gloire à ton nom » Ce n'est pas seulement venir et puis dire « gloire à Dieu », non. Rendre gloire à ton nom, ça signifie c'est dépouiller, s'humilier devant Dieu, reconnaître qu'on a mal fait et que lui seul est saint et lui seul est capable de pardonner, de sanctifier. C'est ça, rendre gloire. Comme Jean avait dit, il faut que je diminue afin que lui croisse. Oui. Et s'ils se détournent de leurs péchés. Et s'ils se détournent, ils se répandent de leurs péchés. Parce que tu les auras châtiés. Exauce-les des cieux. Exauce-les. Ils ont la crise, hein? Oui. Pardonne le péché de tes serviteurs. Exauce-les en les pardonnant du péché. Ils ont la crise. Nous, on attend l'exaucement en voyant l'abondance venir, les choses venir. Mais l'exaucement commence par le pardon. Pardonne leur péché. Ah, merci Saint-Esprit. Quand on avait fait descendre le paralytique des tôles, vous vous rappelez? On l'a fait descendre. La Bible dit, Jésus voyant leur foi. Cet homme était malade, n'est-ce pas? On l'a amené, on l'a fait descendre le malade. Jésus voyant leur foi, il a dit au malade, lève-toi, prends ton lit. Non, il n'a pas commencé par là. Il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi, prends ton lit et pars. Ça commence par là. Trouver la solution à ton problème, c'est d'abord arracher le pardon de Dieu. Obtenir le pardon de Dieu. C'est obtenir le pardon de Dieu. Beaucoup de gens que Jésus a guéris, il leur a dit, il commençait toujours par tes péchés te sont pardonnés. Ça lui a créé même des problèmes. Comment il peut dire ça? Est-ce qu'il a le pouvoir de pardonner le péché? Alors Salomon, quand il a commencé à consacrer le temple, les paroles qu'il parlait, c'était des paroles claires qui respectaient les principes de Dieu. S'il y a la crise et que ton peuple se répande, reviens vers toi. Alléluia. Donne l'abondance, non. Pardonne. Il commence d'abord par pardonne leur péché. Oui. Exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, oui, à qui tu enseigneras la bonne voie, oui, dans laquelle ils doivent marcher. Parce que oui. Et fais venir la pluie sur la terre que tu as donné pour héritage à ton peuple. Quand la famine, la peste, la rouille et la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre, oui, ceux qui dévorent, seront dans le pays. Quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, oui, dans ses portes, oui, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse sa plaie, oui, et sa douleur, oui, et étende les mains vers cette maison, oui, exauce-les des cieux, exauce-les des cieux, du lieu de ta demeure, oui, et pardonne. Et pardonne. Il n'a pas dit et amène la pluie. Et non, il n'a pas dit d'abord ça. Il a dit pardonne. Parce que quand il y a le pardon, la guérison viendra, la pluie viendra. La bénédiction viendra, la victoire sur l'ennemi viendra quand il y a le pardon. Résoudre son problème de péché, c'est résoudre tous les problèmes, tous les malheurs qu'on rencontre.
Que le Seigneur soit loué. Donc la première démarche, c'est arracher le pardon de Dieu pour résoudre son problème. C'est ça la première démarche. Il y a des complications dans le couple, ainsi de suite. La première démarche, c'est arracher la miséricorde de Dieu, le pardon de Dieu. Avant d'aller appeler la famille, arrache le pardon de Dieu. Seigneur, nous te demandons pardon. Je te demande pardon pour mes propres péchés. Et je te demande pardon pour les péchés de mon partenaire, mon mari ou ma femme. Seigneur, nous reconnaissons. Tu es en train de prier. Avant d'aller chercher la famille, Bakweba Mone, Nani, Pichou. Qu'on vienne voir Pichou, parce que Pichou ne fait que te taper. Commence par arracher le pardon de Dieu. Acclamons pour Jésus. Commence par arracher le pardon de Dieu. Parce que beaucoup, je vous dis, le diable a fait que beaucoup de mariages soient bâtis sous le péché. Si pas péché d'impudicité, c'est péché d'idolâtrie. Dans le péché d'idolâtrie, c'est là où il y a certains respects des exigences, des coutumes, mais que la parole de Dieu n'autorise pas. Il faut commencer par arracher le pardon de Dieu. Oui. Rends à chacun selon ses voies. Oui. Toi qui connais le cœur de chacun. Oui. Car seul tu connais le cœur des enfants des hommes. Oui. Et ils te craindront pour marcher dans tes voies. Oui. Tout le temps qu'ils vivront dans le pays que oui. tu as donné à nos pères. Oui. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi à la croix, le brigand qui demandait à Dieu, à Jésus, mais c'est toi le sauveur. Ça signifie, il a reconnu que Jésus était. Il a reconnu que Jésus était. Il était fils de Dieu, le sauveur. Il lui dit, mais c'est toi le fils de Dieu, c'est toi le sauveur. Sauve-toi. Et c'est ça la prière de beaucoup de gens. Sauve-toi et sauve-nous. Mais l'autre qui était à l'autre côté, il dit à son ami, arrête de dire ça. Si nous nous mourons, c'est à cause de nos péchés. Et cela est juste pour nous. Mais lui, qui a eu la solution entre les deux? C'est lui qui a reconnu ses péchés. Il a reçu le pardon. Christ lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Regarde maintenant combien de prières tu adresses à Dieu. Mon goût, comment outendre? Tashkiaya, utapataya, utakuzomea. Il s'en fout. Pourquoi ça ne lui dit rien? Parce que ce qui t'arrive à cause de toi, pas à cause de lui. C'est fait que la responsabilité n'est pas sur lui. Il s'en fout. C'est toi le responsable de tout ce qui t'arrive. Ne cherche pas à l'introduire dans des choses dans lesquelles il n'est pas responsable. C'est ton iniquité, ton péché, ta méchanceté qui t'a châtié, qui te frappe. Alléluia. Oui, lis ce verset rapidement. 2 Chroniques 7, 13 à 14, je lis. Maintenant, ce que nous allons lire maintenant, c'est Dieu lui-même qui répond à Salomon. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, kama taifa yangu, ile naitaka jina langu, s'humilie, inadishusha, prie, inaomba, et cherche ma face, na inatafuta uso wangu, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, banatubu manjia yabo mubaya, je l'exaucerai des cieux. Écoutez la procédure aussi de Dieu. Tabakubali kumbingu, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché. Je vais pardonner. Le problème c'est la crise, la maladie, tout ça. Mais Dieu lui dit, je veux exaucer, je pardonnerai d'abord le péché. Oui. Et je guérirai son pays. Maintenant, je veux résoudre son problème. Amen. J'accorde d'abord le pardon. Et puis, je résous le problème. J'accorde d'abord le pardon. Et puis, je résous le problème. Quand quelqu'un, le problème est résolu, il a reçu le pardon de Dieu. Il a obtenu le pardon de Dieu.
Jean un jour a vu Christ passer. Et Jean dit ceci dans le livre de Jean, chapitre 1. Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jean 1, 29. Jean 1, le verset 29, je lis. Oui. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Jean vit Jésus. Et il lui dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Qui ôte le péché du monde. Qui ôte le péché du monde. Tu peux répéter après moi. Voici l'agneau de Dieu. Qui ôte le péché du monde. Encore une fois. La dernière fois. Arrache le pardon de Dieu. Avant même que Seigneur, pardonne-moi de tel péché, de tel péché, de tel péché. Non. Avant que tu dises ça, commence par cette confession. Si Christ ôte les péchés, ça signifie qu'il ôte les problèmes que ces péchés ont causés. Si Jésus enlève, ça signifie pardonne, enlève le péché, ça signifie il enlève les problèmes dans ta vie. Alors quand tu dis voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, vois que Christ est venu il y a plus de 2000 ans pour ôter le péché de ta vie. Tu n'es pas encore né. Il est mort d'avance pour le péché de quiconque croira en lui. Et celui qui vient chez lui, qui se répand, qui croit en lui, obtient le pardon. Et quand tu obtiens le pardon, les problèmes n'ont plus le droit de rester. Donc si tu continues à souffrir, il y a deux possibilités. Soit tu n'as pas encore reçu le pardon de Dieu. Soit tu as reçu le pardon de Dieu, mais tu n'as pas eu la foi d'utiliser ton droit de mettre les problèmes loin de ta vie. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de ma vie. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de mon sang. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de mon âme. Voici l'agneau de Dieu qui ôte mes péchés. Voici l'agneau de Dieu qui pardonne mes péchés. Colossiens 2, 14 dit, il a effacé, ça signifie il a pardonné le péché qui a mené la condamnation, qui a mené la malédiction, qui a mené le problème. Il a effacé ce péché. Puisque le péché est effacé, le problème doit être effacé. La malédiction doit être effacée. Le malheur doit disparaître. Voici l'agneau de Dieu qui ôte mes péchés. Voici l'agneau de Dieu qui pardonne mes péchés. Voici l'agneau de Dieu qui enlève mes péchés.